Entrer ici dans ce qui est le temple de la démocratie, c'est pour moi un honneur, une fierté, et surtout une fierté de porter ici la parole des Rochelais, des Rétés, qui m'ont fait confiance. Je pense qu'en matière de comité d'accueil, j'ai vu plus chaleureux. Je ne suis pas dans la provocation. Je mène les combats lorsqu'il faut les mener, mais je ne souhaite pas mettre en difficulté mes amis socialistes. J'ai bien conscience des perturbations que cette élection a créées au-delà de La Rochelle, mais je crois que néanmoins, le message qui a été adressé par les électeurs de ma circonscription s'adressait aussi aux états-majors. Et moi, j'en appelle à la réflexion sur le sens de ce résultat. Et je crois qu'il faudra qu'il soit pris en compte. Je serai donc un député de gauche qui votera avec la majorité parlementaire pour soutenir l'action du président de la République.